Messieurs, bonjour. Deux mots sur le système postural. C'est le système postural qui conditionne l'équilibre du corps dans l'espace, dans les trois directions de l'espace. Or, de nombreuses pathologies du système locomoteur sont sous-tendues par des asymétries morphostatiques et des pathologies posturales. Un exemple simple, deux pieds qui n'appuient pas de la même façon, avec une asymétrie ou une disharmonie de l'appui, va provoquer des bascules et rotations du bassin. Un plan scapulaire antérieur augmentera les contraintes dans le bas du dos. Un défaut de convergence de l'œil provoquera des bascules rotations des épaules. Toutes ces pathologies vont créer des sollicitations anormales sur le système locomoteur et sur l'axe vertébral. Le but du posturologue est de faire une analyse de la posture dans les trois directions de l'espace, de voir quelques paramètres ajoutés qui permettent d'avoir une idée sur les stratégies posturales de la personne, de tester des réflexes archaïques non intégrés. Le posturologue va ensuite analyser les différentes entrées sensorielles du système, avec en priorité le pied et l'œil, qui conditionnent l'axe visuopodal, cet axe qui est indispensable pour un bon équilibre du corps. Le but du posturologue est de recalibrer le système postural en ensemble en tenant compte des différentes entrées perturbées. Je vais tout de suite vous montrer un exemple de l'examen clinique postural. Après, bien sûr, une anamnèse rigoureuse, l'examen va se faire dans les trois directions de l'espace. Je vous invite à me suivre. Cette jeune fille présente des douleurs dans le bas du dos, des petits troubles de l'équilibre et quelquefois des douleurs plus importantes de type rhumatisme. Si vous analysez avec un fil à plomb sa verticale, vous apercevez qu'il existe un plan scapulaire antérieur de trois doigts, avec une augmentation de la lordose lombaire, une augmentation de la distance occiput-fil à plomb, une augmentation de la lordose cervicale. Obligatoirement, les contraintes dans le bas du dos seront augmentées. Qui plus est, de face, vous voyez tout de suite l'inclinaison de la ligne des pupillaires, la contrebascule des épaules, la contrebascule des styloïdes radiales et la bascule du bassin qui est de 1,5 doigt. Donc obligatoirement, les contraintes déjà importantes du bas du dos par le plan scapulaire antérieur vont être encore aggravées par les bascules et les rotations. On va également analyser la rotation au niveau de la ceinture scapulaire et il y a une petite antériorité à gauche qui prouve qu'il y a une rotation droite de ses épaules, vous pouvez le voir ici. On va analyser deux paramètres associés, l'amplitude de rotation de la tête, limitée à droite, est limité à gauche. On va ensuite analyser son équilibre. Comment se situe-t-elle dans l'espace? Je vais lui demander de serrer les pieds, de tendre les doigts et de fermer les yeux. Alors, vous voyez qu'elle part vers l'arrière, elle est limite de la chute. Tends tes mains et piétine, prends-toi d'affilée. Alors, elle a un mouvement très instable, asymétrique des jambes, et elle a tendance à tourner vers la droite. Je vais tester tout de suite un réflexe archaïque, qui est le réflexe de protection des tendons. Et vous voyez qu'elle a tendance à être verrouillée en protection des tendons. Elle passe difficilement le pas. Je le teste vers l'arrière et vous voyez également qu'elle ne passe pas le pas, difficilement. Donc ce réflexe conditionne aussi le plan scapulaire antérieur. Je vais maintenant tester le labyrinthique avant.
très souriante, qui n'est pas très perturbée, la viralité carrière n'est pas très perturbée, et la symétrique du cou, qui est très légèrement déviée à gauche. Donc c'est des réflexes qui sont mal intégrés et qui vont s'intégrer avec la recalibration posturale, sauf celui de protection des tendons qu'il faudra travailler. On va tout de suite voir le pied. Si vous regardez ces pieds, vous voyez une tendance disharmonique, c'est-à-dire que le pied droit est valgus, le pied gauche est centré. Un pied centré, c'est déjà un pied varus. On va la mettre en monopodale. Vous voyez que ce pied part en varus, alors que celui-là reste en valgus. Donc manifestement, une disharmonie podale. On va tester maintenant son capteur oculaire. Fixe la pointe. Vous voyez qu'il y a une insuffisance de convergence des deux yeux. On va le tester en réflexe. On regarde de loin. Top. Voilà, il y a une petite paresse plus marquée sur l'œil droit. Je vais rechercher une hétérophorie. Il y a une orthophorie relative. On a vérifié préalablement, elle est binoculaire. Donc on va maintenant passer à la recalibration. Le plan scapulaire étant antérieur, on va utiliser une semelle qui la tire vers l'arrière. Mais je vais d'abord tester avec une semelle neutre, voir si le réflexe de protection des tendons et sa correction n'est pas suffisant pour amener son plan scapulaire en équilibre. Donc, on va utiliser une semelle fréquentielle qui génère un champ fréquentiel qui a pour but de recalibrer l'ensemble de la posture. Alors, ces semelles doivent être portées du matin que l'on se lève au soir où on se couche, car elles vont corriger en permanence le système postural. C'est l'avantage sur les autres types de semelles, c'est-à-dire qu'une personne normale peut être assise 70% de la journée. Or, ces semelles, réflexes, vont corriger également en position assise, chose que ne font pas des semelles classiques ou des semelles proprioceptives. Elle corrige en permanence, aussi bien debout, couché qu'assis. Alors, on va la remettre comme ça, de profil, et on va voir s'il existe un changement. Alors, on a une amélioration. La distance occipitoplan a été réduite, le plan scapulaire antérieur a diminué, il n'est plus qu'à 1,5 mm. La flèche cervicale est quasiment redevenue normale, la flèche lombaire est toujours un peu augmentée. Sur le plan frontal, la ligne bipupillaire n'a pas changé. La ceinture scapulaire est toujours un petit peu inclinée, mais beaucoup moins que tout à l'heure. On va le voir à ce niveau-là, il ne reste plus qu'un demi-doigt de bascule. Et la bascule du bassin est presque complètement corrigée. Rendez-vous, on va monter les bras sans pousser. Et là, on a une correction complète. Tirer la cabeça à la derecha. Là, on a augmenté la rotation de la tête à l'esquive. Et là aussi, la rotation de la tête est augmentée. On va voir si on a changé le test de piétinement. Déjà, elle piétine plus facilement, elle est moins instable. On va maintenant insister sur la correction du capteur oculaire en utilisant deux techniques différentes.
de l'inosine monophosphate pour stimuler son accommodation. Et un petit exercice pour libérer sa convergence. Je vais lui demander de fixer cette ligne verte intensément. Et quand je vois que ses yeux se bloquent, je vais faire des petits cercles qui ont pour but de faire lâcher les rétractions musculaires et de stimuler les commissures interhémisphériques. On a un résultat qui est très intéressant, car elle est déjà presque corrigée. Fixe la pointe. Fixe fort. Alors, je vous le montre par rapport à tout à l'heure. Fixe le trait. Vous voyez que la convergence est nettement améliorée. Cet exercice a suffi à la libérer. À ce moment-là, en ayant recalibré l'axe visio-caudal, on a amélioré la ligne bipupillaire. On a amélioré la bascule scapulaire, puisqu'il ne reste plus que quelques millimètres. On a amélioré la bascule du bassin. Et on a complètement corrigé les rotations. Tourne à droite, c'est beaucoup mieux. Tourne à gauche, c'est beaucoup mieux. On va maintenant travailler par des mouvements rythmiques, des réflexes archaïques. Le mouvement ne sert pas à grand chose. Là, je pousse plus que ce que je tire pour libérer le réflexe de protection des tendons. Je vais demander à mes collaborateurs d'aller s'occuper du mouvement de la tête qui doit être fluide, harmonique et dans l'axe. Voilà, c'est de mieux en mieux, c'est bon, tu peux lâcher. Ce mouvement, semer le pied, va permettre de réintégrer le réflexe de protection des tendons, entre autres. Si je tire le Babinski, si je pousse le réflexe de protection des tendons, mais également le symétrique du cou, l'asymétrique du cou, le labyrinthique. Je vais lui demander de se remettre debout. À ce moment-là, on se rend compte que l'on a encore gagné ici, puisqu'il ne reste plus qu'un doigt. La flèche lombaire est redevenue dans les limites du raisonnable. La flèche cervicale est normale. Si je la pousse vers l'avant, elle passe le pas, le réflexe des tendons est corrigé, elle n'est plus verrouillée. Si je la regarde de face, vous voyez les changements, la ligne bipupillaire est plus horizontale, la ceinture scapulaire est horizontale. Il reste 2 mm et le bassin est partiellement corrigé. La dernière étape consiste à rechercher une jambe courte. Ces jambes courtes sont souvent de quelques millimètres et peuvent provoquer des bascules et des rotations au niveau du bassin. En regardant ces fossettes de Michaelis, on voit qu'il y aurait une jambe courte à gauche, les épines postérieures aussi, inclines. Et si on regarde ici, on s'aperçoit que ce n'est pas une vraie jambe courte, car le bassin s'égalise parfaitement. Donc, on est plutôt sur un obstacle, type blocage du péroné ou blocage du coccyx. Voilà ce qu'on appelle un examen postural. D'ailleurs, si on la fait un petit peu marcher avec ses semelles, elle va tout de suite réintégrer ses blocages
ainsi que les réflexes archaïques qui n'étaient que partiellement. Presse internationale, salut les Espagnols et les pays de langue espagnole dans lesquels actuellement la posturologie est en train de se développer, et j'espère que ce sera la même chose pour l'Espagne. Viva l'Espagne!